m'embête, toi. Ah bah quand même. Alors je vais pousser ça. Ah Marpeau, et toi, comment on se retrouve? T'en vas pas? J'ai quelque chose à te demander. Je voulais juste pousser ça. D'accord, bah je le ferai après. Tu arrives au bon moment. Je viens juste de découvrir quelque chose dont parlent les écrits anciens. Regarde. C'est un trésor que la déesse a laissé pour le héros venu du ciel. J'ai appelé ça un cube de la déesse. On peut lire dans les écrits anciens, si le porteur de l'épée des cieux les touche de la lumière issue de sa lame, il en sera récompensé. Dis, t'as pas une épée toi? Je voudrais que tu m'aides à résoudre l'énigme de ces cubes. Je sais pas écouter ce qu'il m'a dit. Merci. Ce cube fait d'un métal que j'ai jamais vu, il a l'air indestructible. Ça doit bien signifier quelque chose, l'épée des cieux et la lumière issue de sa lame, oui. T'as pas une idée? Si, j'ai une idée. Mais je voudrais pousser ça. Ah! Bon. Oh, le cube s'en est allé dans le ciel. Il a réagi à la lumière que ton épée a libérée. Où le cube a-t-il bien pu aller exactement? Le mystère ne fait que s'épaissir. Selon les écrits anciens, il existe de nombreux cubes sur la Terre. Essaie d'en trouver d'autres et dis-moi si tu en apprends plus à leur sujet. D'accord. Ouh, j'ai failli tomber. Où est-ce que je peux aller pousser mon morceau de bois maintenant? Voilà. Bon, un cube, il y en a un autre là. Un point de sauvegarde. Allez, on va visiter un peu. Toujours pas les attraper. Ah, pendant que j'étais au ciel, j'aurais pu... Hop! Je t'avais pas vu, toi. J'aurais peut-être dû... vu que j'ai maintenant... Dégage.
le chemin et je vais lire. Toi qui descends du ciel sur la terre, frappe l'étoile vers laquelle se dirige l'oiseau aux ailes déployées. Frappe l'étoile. Cette porte est scellée. L'oiseau aux ailes déployées, ça ressemblait pourtant bien à ça. Ouais, je disais que comme j'étais au ciel tout à l'heure, j'aurais dû faire descendre le vendeur là. Terry, j'ai retrouvé son nom. Cette porte est scellée, oui, d'accord. Et je peux pas l'ouvrir comme ça. Non, ça a pas l'air. Pourtant, tu me dis bien ça, toi. Frappe l'étoile vers laquelle se dirige l'oiseau aux ailes déployées. L'étoile. C'était pas ça, mais bon, j'ai récupéré quelques rubis. Ah, là-haut. Ça a l'air tout sombre. Temple de la contemplation. Maître, fais au rapport. Je ressens les auras maléfiques de nombreux monstres dans ce temple. Il m'est impossible d'isoler celle de Dame Zelda pour la localiser. Vous ne pourrez donc pas utiliser la fonction détection dans cette zone. Maître, je vous recommande d'analyser la situation à l'aide de la vue subjective. D'accord. Bon, déjà, il y a ça. Pas ça? Si. Oh, il y a une grosse araignée. Ouais, j'avais tout enlevé.
Enfin, presque. Vers eux. Comme c'est incroyable. C'est quoi ce toile d'araignée qui laisse passer certains personnages et pas d'autres? Comme ça, toi. Bon, moi je suis monté. Oh, tu m'embêtes. Oui, il faut que je trouve des cœurs. Qui descend des cieux, prête l'oreille à l'envoyé qui t'a guidé ici-bas. Il veut pas que je tire dessus, hein. Prête l'oreille à ce... D'œil, je vois pas d'oreille, moi. Toi qui descends des cieux, prête l'oreille à l'envoyé qui t'a guidé ici-bas. De toute façon, la salle, elle est toute petite, hein. Ha ha ha!
Ah, ça tourne rien, ça tape pas dedans. Dès que je fais ça, il ferme. Dans la salle. Bon, à part elle que j'ai pas tuée, mais... Non, ça c'est des racines, ça n'a rien à voir. Bon. Ouais, d'ici... Elle a les yeux ouverts. Arrête de tirer n'importe où. Si je suis là-dessus, elle a les yeux ouverts. Mais si je dégaine, elle ferme. Je vois pas d'oreille. Il est où l'escalier? Ah, je suis même pas dessus. Ouais, quasiment. Non, ça m'étonnerait que ce soit ça quand même. Je peux pas. Je ne peux pas. Il y a des oiseaux, mais je vois pas d'oreilles. Tirer sur les oiseaux. Prête l'oreille à celui qui t'a fait venir ici-bas. Prête l'oreille à l'envoyé qui t'a guidé ici-bas. Ou alors faut que je demande à fait. Ah bah, il est probable que je sois l'envoyé dont il est question sur cette stèle. Pour venir en être, la déesse m'a transmis une multitude d'informations à propos de cette terre.
Si quelque chose vous pose problème, appelez-moi en appuyant sur... C'est ce que je viens de faire. Par ailleurs, lorsque vous ciblez quelque chose avec ZL, appelez-moi et je vous donnerai des informations sur votre cible. Oh! Votre énergie vitale est faible. Je vous suggère de vous soigner au plus vite. Non, mais c'est pas ça que je veux. Moi, j'ai des informations sur... sur ça. Il s'agit d'un gardien créé par la magie. Il a une tendance naturelle à suivre du regard les objets pointus. D'accord. Mais je peux pas tenir les deux en même temps. J'ai rien d'autre de pointu. Oh, j'allais dire je vais l'hypnotiser, mais c'était ça. N'importe quoi. Zut. Bah, tant pis pour toi. Il est parti le cœur. Eh, regarde le bel. Un superbe insecte. Je vous laisse, bonne nuit, à demain. Bonne nuit, à demain Nathalie, merci. De toute façon, je vais bientôt m'arrêter aussi. Je fais juste le tour de la salle. Il y a un coffre là-haut. Je vais aller chercher le coffre, il y a de quoi sauvegarder. Je vais essayer de récupérer le coffre. Oui, il y a un escalier, mais il monte pas. Ça doit être par l'autre côté.
Ok, donc ça, ça c'est... Ça devrait ouvrir les portes. Pas d'autre, il n'y en a qu'un. Tout ça pour un. Voilà, comme ça les portes seront ouvertes. Sauf une. Bon, j'ai eu tant de mal, je vais quand même aller la chercher. Ah oui, elle est revenue, elle. Bon, allez. Je vais sauvegarder. On a ouvert les portes. Et je vais m'arrêter ici pour cette soirée. Merci d'avoir regardé cet épisode et je vous dis à bientôt pour la suite. Au revoir.